Est-ce que tu peux nous raconter le début du tournage de Prohibition? Ou alors ce qui s'est passé juste avant le tournage de Prohibition? J'arrive la veille du tournage vers 16-17h à Bordeaux. On voit qu'il y a un concert de Onyx à Lifeboat. Génial, allons-y tous, on y va en équipe. Avec un peu toute la team Banzai que je rencontrais moi pour la première fois, pour la plupart, parce que j'en connaissais aucun. On rentre vers minuit et demi, quoi. Une partie de l'équipe est en mode, si on buvait un petit dernier verre, on descend avant d'arriver. Et moi, je dormais chez Hugo Senbei, qui lui était pas chaud pour boire ce dernier verre. Donc, non, parce qu'on se devait se lever à 8h pour tourner l'équipe. Ouais, je me souviens. Et bref, moi... Il faut remettre les choses dans le contexte. Moi, je me laisse entraîner par ceux qui sont chauds pour aller boire un dernier verre. Donc, je descends avec eux et je reste même pas très longtemps, quoi. Une heure et demie à peine. I don't believe this. Donc une heure et demie après, je vais en bas de chez Senbei, chez qui je dormais, et là, injoignable. Yo, 148, 3 to the 3 to the 6 to the 9, representing the ABQ. What up, biatch? Leave it the tone. Et là, injoignable de 1h à 6h du matin. Du coup, j'ai erré dans Bordeaux à cause de lui. J'ai fini devant une vieille boîte à parler avec des inconnus, à boire des coups, à me faire offrir des verres. J'ai vraiment fait du passe-temps, j'ai occupé la soirée pendant 4-5 heures et j'ai réussi à le joindre à 6h du matin au téléphone. Et le tournage commençait à 8h. Ouais, le tournage c'était à 8h et à 6h il me rappelle « Oh désolé bro, je m'étais endormi, bon bah viens ». Il a vu ma gueule entrer chez lui à 6h du matin, tu sais, j'étais un œil là, un là-bas. Les gars, il est 6h du matin, on va manger du poulet. Tu vas peut-être dormir un petit peu et nous rejoindre un peu plus tard. Du coup, j'ai rejoint l'équipe. C'est pas ça que j'ai dit du tout. J'ai rejoint l'équipe. Je suis pas connu dans la noblesse, mais nos stress, God bless. Les côtelettes et les paupiettes, les grosses fesses et les topless. Les cocktails bien posés, les girafes de chouf. Les couplets bien posés et les vides fans de ouf. Non, c'est moi qui ai dit, tu comprendras bien que je propose que vous tourniez Non, mais il arrive à midi. Midi pile frais, en plus on a bien bossé. Je tiens à saluer d'ailleurs le travail qui avait été fait en amont par toute la réal et tous les figurants qui ont très bien fait le taf. Starman, n'oublie pas mon mec de shot. Tu peux même en mettre 4 vu que je suis avec deux potes. Mais tu passes bien la caméra. Bah en même temps on faisait un clip de poivreau qu'on tournait à midi. Alors ça veut dire que ça aurait été presque pas logique, pas net d'arriver trop fresh et tout, bien rasé, machin, donc disons que ça a joué quoi. L'alcool te rend beau, moi il me rend pauvre car comme quand y'a plus de rhum et que j'enchaîne à la vodka pomme. Moi je trouvais que ça le faisait, j'ai fait ça de façon purement professionnelle. Tout était maîtrisé. Tout. C'était une super soirée, hein. Bien rigolé, j'étais en galère. On lit mon nom sur toutes les glaces et sur les ardoises, les bistrots. Le tabac du coin, c'est mon palace. Où le soir, je retrouve mes potos.